Takumi Shuki Shuki, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, doudou. Et mon petit pito qui vous accueille. Monsieur pot de colle. Mais plein de poils partout. Alors, aujourd'hui, on va regarder vos participations. Je vais annoncer le nouveau défi. Et après, bah, je commencerai avec vous mon colo pour mon défi. Si Pito veut bien, bien sûr. Et en même temps, vu que mon colo, mon prochain défi, je vais faire avec les néocolores. Et je vais vous dire comment je fonctionne avec les néocolores 2. Oui, Micha, comment tu vas? Péto. Alors j'ai eu plus de dessins que de colos. Ça va bien. Il y a les cheveux qui partent un peu en n'importe quoi, mais bon. On s'en fout. J'ai pas eu le temps. Mais t'inquiète, déjà rien que le dessin, ça m'a fait plaisir. T'inquiète pas. C'est pas forcé, c'est juste, il faut vraiment... Les défis, je veux que ça vienne par envie, pas par obligation, tu vois. Bah, j'espère aussi. Au moins un des deux, tu vois. Hop, bah du coup, on va commencer par les dessins. Mon pito. Hop, on tranche. Ouh. Hop. Voilà, commencer par celui-là. Attends, j'ai bien cadré. Voilà. Celui-là, c'est celui-là de Ben. Il est trop chou. Spirou. Il est génial. On a fait du coup tablette graphite. Graphique. Un dessin digital, quoi. De violet, il y a de quoi. Oui. J'aime mon Ben, il est beau. Merci pour ta participation. Après, pareil, toujours un dessin digital par Cristal. Il est trop chou. J'adore les effets derrière et tout. C'est trop mignon. C'est mignon. Merci à toi, Cristal, pour ta participation. Il est trop chou. Et Micha avec ses petites pensées. Trop beau. J'adore les pensées, c'est joli. Et j'aime bien ce qu'il y a plein de couleurs. On a appris il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'était l'année dernière. On a fait des tutos sur les fleurs. Merci en tout cas, Micha, pour ta participation. Tout de violet. Celui-là de Meili. Trop mignon. Tout simple mais tellement mignon, j'adore le fond. Ah, Pito, t'en as eu marre. Et qu'est-ce que tu fais? Il fait faire tomber mon téléphone. Il m'a mis plein de poils sur mon colo. Il m'a mis plein de poils partout, quoi. On est trop mimi, Melly. Merci pour ta participation. Ah, bah, du coup, c'est celui-là. Moi, c'était la première fois que je faisais. On va dire un peu un paysage à l'aquarelle. Je suis pas trop trop satisfaite, mais bon, ça va encore. Je trouve qu'il y a pire. Je me suis quand même un petit peu débrouillée. Mais j'aimerais bien continuer pour m'améliorer. Du coup, bah, c'est pareil, c'est toujours le mien en digital. Et du coup, j'ai fait Pito et Tommy. Ils sont trop mignons.
J'adore. Celui-là, c'est celui-là de Ondine. Regardez comment il est beau. Il est trop beau. Et j'ai cru que j'avais... Non, c'est bon. Le ciel, là, avec le ton violet. Et... Puis du coup, elle a fait un échange ATC et je lui ai pris. Et enfin, le dernier, c'est Rafi avec Aku. Trop mignon. Aku Aku. Joli petit dragon. En tout cas, merci pour votre mission art, du coup, une mission dessin. On va passer à la mission colo, du coup. Bon, il y a moi. Du coup, j'avais fait au luminance et au lifefast. Et j'avais fait le fond à l'aquarelle. Mais vraiment pas trop... trop humidifié parce que le papier était... C'est papier Amazon, du coup, il est pas foufou. Là, j'ai refait Pito avec mon petit Totoro. Et là, c'était ma petite Tino, ma petite rate que j'avais. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai perdue maintenant, mais bon. Elle reste dans mon cœur. C'est pareil, le fond, j'avais fait au Neo Color 2. Ma petite maison, qu'Ondine m'a gentiment mis en couleur. Mon petit studio secret. Il est trop mignon. Violet, 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 violet. Et j'aime bien, c'est parce qu'elle utilisait plein de tons violets différents. J'adore. Merci, ma Ondine. Et c'est genre graphie. Ouh, violet, violet. Hein. Du pur violet. On dirait... mais c'est Médusa, mais... Elle me fait penser un peu à... Ursula, pardon. Merci pour ta participation, Rafi. Du coup, je vais vous annoncer le prochain défi. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, prêtes, prêts, prêtes? Alors, attendez. Par contre, on va faire une petite surprise. Je... Allumer la cam colo. Ah, comme ça vous voyez pas. Alors, pour le prochain défi. Hop, voilà. Alors ça sort sur la pierre précieuse de algues marines du coup, du mois de mars. Et la couleur turquoise doit être dominante. Mais vous pouvez utiliser du vert turquoise et du bleu turquoise. Tu joues encore à Diablo? Et du coup, vous avez jusqu'au 30 mars. Et du coup, bah, je vais faire avec vous mon petit colo. Je vais déjà faire le fond. Et je vais utiliser... pour mon colo, je crois que je vais utiliser que le vert turquoise et le bleu turquoise. Et pareil, en dessin, je crois que je ferai avec vous la semaine prochaine. Coucou Mandine, y'a pas de soucis. Ah, j'ai déjà fait montrer tous les défis, mais merci pour ta participation et du coup ton petit ATC magnifique que j'aurai en échange et ton petit colo. Trop mignon, mon petit studio secret. Là du coup j'ai annoncé le nouveau thème. Du coup, la pierre précieuse de algues marines. Du coup, là, le vert turquoise et le bleu turquoise sont, doivent être dominants du colo.
J'attends de pouvoir aller travailler. Mais écoute, profite, Comtex Plus et grille. Ok, algues marines. Ah, c'est aigle ou algues marines? C'est peut-être moi qui me trompe, oh, c'est pas grave. Vous avez compris. Hop, du coup, on retourne sur le colo. Et hop. Du coup, j'ai pris un de mes nouveaux livres que j'ai pas encore commencé. Comme ça, je fais deux défis à la fois. Et je vais faire ce papillon. Aigle, oui. Oh! Bon, je vais le corriger après alors. Vous avez rien vu. C'est un I, pas un L. Bah, j'ai eu du mal à trouver quel colo faire. C'est une adébo, mais qu'en algue marine, ça m'a pas trop inspiré. Et à celui-là, en fait, je vais mélanger l'algue marine. Bah, le turquoise, du coup, avec le jaune. Du coup, le fond. Je vais vous expliquer un peu comment j'utilise les néocolores. J'aimerais bien utiliser un turquoise et un jaune. À peu près, peut-être ça, les deux là. Pour que ça reste quand même léger, puisque je veux quand même que le papillon ressort. Et du coup, pour les crayons, je prends les Holben et les Arteza. Parce qu'ils ont une jolie gamme de turquoise. Bah plus les Holben. Hop. J'enlève tous mes petits chats là. Voilà. Et il y a plein de tons turquoise différents, j'adore. Et puis les Arteza, ils se mélangent bien avec les Holben, du coup, c'est nickel. J'aurais de quoi faire un beau papillon tout le coloré. Tout coloré de turquoise. Du coup, je vais faire tout de suite le fond. Comme ça, je pourrais choisir mes dégradés. Tant que ça sèche. Du coup, quand j'utilise les néocolores, j'utilise quand même le drawing gum. Pour éviter de passer sur mon papillon. Je vais peut-être tester les couleurs avant. Parce que je veux pas trop que ça sèche. Oh, j'ai rien dit. Il faut que ça sèche un petit peu quand même. Doudou, tu viens pas, hein? Attendez, le micro il m'embête un peu. Non, mais j'ai dit que tu viens pas! Non, je commence à mettre du truc aussi, non. Allez, doudou, sois gentil. Fais des bisous à tout le monde, bon, des bisous. Allez. Il va me mettre plein de poils. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Moi j'utilise des pinceaux pas très chers parce que bah, après on peut les jeter quoi. Mais bon, j'ai pris pas très cher mais les poils ils partent un peu en cacahuète là. Bon l'heure, Nelly.
Ouais, j'avoue, ça va être compliqué. À moins que tu veux faire un petit arbre turquoise, ça peut être mignon aussi. Hein. Attends, je vais dire bon l'heure que je vois qu'il est en minute. Hop. Voilà. Un petit taureau. Ça va être long à faire tout le tour. On dirait que je mets du bleu sur le colo. Il est prévu quoi de beau aujourd'hui, Suki? Boulot. Repos. Colo, dessin. Jouer. T'as bien raison. Mon Dieu, je vais m'amuser là.
C'est vraiment pratique ça. La musique elle a bugué un petit peu. Coucou Dino! Comment tu vas? Ça te parle du tout. J'ai pas de con. Non, non, saute pas! Non, 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 saute pas! Alors, reste par terre, s'il te plaît. Tu vas avoir plein de drawing gum sous les pattes. Saute pas. Je me dépêche parce que sinon j'ai peur qu'il saute dessus. On peut pas faire qu'on a un chaud. Oh lolo. Miaou le chat. Miaou le chat, il a failli faire des catastrophes. Bon, t'es parti? Ouais, c'est bon, il a abandonné. Il est parti à la fenêtre.
Remandine. Hop, voilà. Bon, maintenant, on peut dire au revoir au pinceau. Merde, ma poubelle est pleine. Je vais mettre la poubelle. Non, pas que j'oublie. Enfin. C'est quand même mieux sur le PC. Alors, maintenant, on va tester les couleurs. Alors, je vais prendre 171 et le 521. J'ai pas de place, hein. J'ai dit, ouais, c'est ça. Ah, j'ai bloqué mes cheveux dedans. Alors, quand j'utilise en fait les No Color, j'utilise un pinceau à réservoir, mais qui mouille bien. Merde, j'aurais dû le remplir. J'en ai pas un autre. Enfin, ils sont tous vides, nul fit, oublie de les remplir. Et du coup, j'utilise aussi un pinceau sec. Un pinceau normal sec. N'importe quelle forme. J'ai pris ceux-là parce que je les avais eu en cadeau dans les gelatos. Et du coup, vu que j'ai pris plusieurs coffrets, bah, j'en ai plein, des comme ça. Attendez, j'arrive, je vais remplir vite fait mon pinceau. Et moi, je suis là. J'ai ma petite éponge en même temps. Hop. Oh mon dieu, il gratte. Alors. En fait, suivant. Souvent, en fait, les ciels, je tourne de gauche à droite, comme ça. Et après, vous appuyez moins où le couleur elle se mélange. Après, je crois que je vais repasser une autre couleur parce que je sais pas si elle va se faire le dégradé. On va voir. Que là, par contre, là, en fait, je vais faire tous des petits ronds. Du coup, si vous faites des petits ronds déjà avec les No Color, au pinceau, il faut aussi faire des petits ronds pour éviter les traces. Là, du coup, il faudra faire le pinceau de gauche à droite. Faut que j'ai pris trop clair pour le turc, pour le jaune.
Des ronds, des petits ronds, des petits ronds, toujours des petits ronds. Du coup, voilà. Alors, comme ça évite les traces. Par contre, du coup, le jaune est devenu vert. Et pour les petits ronds, vous faites des petits ronds. Par contre, c'est bien avec les petits ronds. Au pire, hop, vous venez nettoyer le pinceau et vous repassez pour qu'on voit quand même le jaune. Hop. Ça fait tout propre. Oui, on est déjà au 1er mars. Dans 17 jours, c'est mon anniversaire. Déjà demain, c'est celui-là de chat. Allez, c'est parti. Donc dans 17 jours, prépare-toi. Me préparer à quoi? Pardon. Je vais juste vieillir d'une année. Une ride en plus. Ça va, j'en ai pas encore. Quelque chose, je peux pas en dire plus pour le moment. Suspense. Ah oui, aussi, il faut pas hésiter à appuyer pour en mettre hein, de la couleur. Enfin, pas non plus comme une cinglée, mais... Après, ça dépend le ton que vous voulez. Si vous voulez vraiment quelque chose de très clair, bah vous appuyez pas. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Non, je veux rien. Juste vous, ça suffit. Pas d'accord, là.
Et vous, c'est quand votre anniversaire? Coucou Rafi! Ça va? Tu as pile poil, j'étais en train d'expliquer pour les néocolores. Qu'est-ce qu'il y a? Encore mal de dos à cause de Poufi. Le nouveau thème est turquoise. Du coup, vert turquoise et bleu turquoise. Là, je fais juste le ciel et je fais le plus le turquoise. Un petit peu dans. Bah là, c'est vraiment un turquoise très clair. C'est un turquoise bleu, gars, c'est écrit. Je vais faire une mise au point. Turquoise bleu. Faut utiliser du bleu turquoise, du turquoise et. Du coup, je disais, Jurgen, c'est en fait si tu veux faire un ciel, il faut vraiment que du coup que tu fais des mouvements comme ça. Par exemple, là, bah, c'est juste pour un petit fond. Je fais tous des petits ronds. Par contre, après, avec le pinceau, si tu fais des petits ronds avec ton néocolore, il faut que tu fasses des petits ronds avec ton pinceau réservoir, bah, ou ton pinceau. Et là, par contre, pour le ciel, du coup, tu vas de droite à gauche. En fait, il faut faire le même mouvement que tu as fait au néocolore avec ton pinceau. Pour éviter les traces. En tout cas, merci pour ta participation aussi. Pourquoi ça va bof? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière la douche? Mais comment il a fait pour aller derrière la douche? Bon ouais, pauvre loulou, il est perturbé. Hein. Il est habitué de vivre dehors. Faudra beaucoup de patience. Hein. Au pire, s'il a su rentrer, il sera sorti tout seul. Hein. S'il sait quoi, s'il s'est bloqué quelque part, c'est que à moins que vraiment il s'est bloqué. Mais j'essaie de comprendre comment il peut être coincé. Ça fait un moment qu'il est coincé. Après, peut-être que ouais, si elle est dans une chambre d'hôtel, soit t'as des. Ben, je sais pas du coup, ouais. Bonne question.
Envoie-moi en photo, ça me perturbe comment il peut être coincé. En vrai, ça fait pas longtemps qu'il est là, laisse. Il faut pas que trop qu'il soit entouré. Peut-être qu'il est en train de flipper et qu'il préfère rester coincé. Les chats, ils sont comme ça quand ils ont pas. C'est pareil, hein, plutôt. Quand il y a du monde et tout à la maison, il se cache. Hein. Il est pas habitué. Et il croit qu'il est en danger, du coup, il se cache. Merde, attends, je regarde sur mon téléphone parce que. Hop. Alors, comment il est coincé ce ploufi? Ce petit plouf-plouf. Tu l'as envoyé où? Non, j'ai pas de photo. Ah, je vais faire la photo. Okay. Oh là là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça y est, je vois plus clair. Ouais, vraiment beau. Hein. J'adore les néocolores. Bon, non, il est pas coincé. Et en plus, il dort là. Moi, je m'attendais à qu'il était tout écrasé dans le truc. Non, t'inquiète pas, il va sortir tout seul. Il va faire sa plus belle sieste de sa vie, là. Bah voilà, il sent bien du coup. T'inquiète pas, il va sortir s'il aura faim ou quoi. C'est ça.
Ça se voit que t'as pas l'habitude que ton chat reste chez toi. Sûr, ça sera pas la première fois qu'il va se coincer ou se faufiler quelque part. Dans la nature, il se cache super bien aussi. T'imagines avec le bâton là où tu tapes doucement dessus pour ouais non. Bah moi avant quand j'avais encore le plafond quand j'avais pas encore le plafond plutôt. Quand plutôt s'amusait en haut et et qui voulait descendre, il m'appelait. Oula, là ça fait dégueulasse. Bah ouais, non, t'as l'habitude qu'il est dehors, du coup, pour toi, tu crois que c'est... Mais non, t'inquiète pas. Hein. Surtout que là, il est perturbé parce que... Bah, voilà, il a pas l'habitude d'être enfermé, du coup, il va essayer de trouver des coins où il peut être seul. Là, je vais faire petit bout par petit bout. Du coup, bah, attends, par contre, si je fais du... Je sais pas si je vais du plus foncé au plus clair ou du clair au plus foncé. Parce que j'ai quand même envie que le bleu se mélange pour faire un beau vert comme ça, j'aime bien. Bon, on va déjà faire l'intérieur. Moi ça va, après les petites zones, j'ai pas besoin de repasser vraiment au pinceau sec. Parce que c'est petit. Je passe vraiment au pinceau sec quand c'est vraiment des grosses zones. Hop. Mais oui, il va réussir. Oh. Ça reste pour rien, Rafiki. T'as vu l'espace qu'il y a? Je commence à rincer mon pinceau. Bah en fait, les couleurs claires, j'ai pas besoin de passer au pinceau sec. Parce que d'habitude. Ouais, si, ça fait mieux. Et en fait, après, je passe comme ça. Pour que ça fasse un peu un effet fouillis. J'aime bien. Ah ouais, plus tu l'embêtes, plus il va se recroqueviller sur lui-même et plus il va rester là. Ah ici je suis tranquille. Elle vient pas m'embêter, elle arrive pas. Bah, il faudra beaucoup de patience, hein, Rafi, c'est normal. Hein.
Non, Dodo, je fais de l'aquarelle, saute pas. Non, tu peux pas, Doudou. Oh, il me fait pitié. Elle vient juste que là, que sur maman, pas sur le bureau. Elle vient. Bah viens, dépêche. Il faut savoir ce que tu veux, hein. Tu viens? Ouh. Et reste là. Et pourquoi Indra était dans la cage, elle a peur de l'aspi aussi? Ouais, bah après Indra t'écoute plus que toi, ça aurait plus été ploufé dans la cage quoi. Voici qui t'a préféré, hein, entre les deux. Il me regarde. C'est bon, maman, ce qu'elle fait? T'es intriguée? Tu fais des ronrons? Par contre, Doudou, j'ai besoin de mon autre bord. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, t'es mignon, mais tu... Ni. Ni. Et ton cucu. Et tes fesses. Moi, je vais. Voilà. C'est mieux si tu bouges un peu. Non, encore une patte. Voilà. Là, t'es bien, reste là. Oh, Dieu, il tient sur mon accoudoir. Attends. Voilà. Bonjour. C'est Nufi et Pito. Oh, bébé. Bisous, maman. Non. Et sur mon accoudoir, hein. Je sais pas comment il fait pour rester comme ça stable.
J'aime bien, ça fait des couleurs, ça fait un peu truc vieilli, c'est joli. C'est sûr, ça fait plus beau en vrai. Non, ça fait trop. Ouais, en fait, ça fait plus. Attendez. Non, ça fait pas comme ça. Voilà, ça fait plus comme ça. C'est joli. Non, bébé. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Après, je pourrais enlever le washi tape. Du coup, en attendant. Qu'est-ce que tu fais, doudou? Viens me brosser avec l'éponge. Tu s'en fous. Mais non, part pas. Moi, il t'aime. Je sais que tu vas aller sur mon bureau, mais tu peux pas. Maman est en train de faire de l'aquarelle. Tu sais bien que maman, quand elle fait de l'aquarelle, tu peux pas venir. J'ai pas un grand bureau. J'en ai un grand, tu pourras. Bon, oui. Bon, oui, mon bébé. Dans le moment câlin. C'est bon. Je le berce. Dodo, pitodo, pitodo, mama, mama, mama. Allez, bouge ton petit cul. Non, non, mais pas sur le bureau, t'es têtu, j'ai dit non. Non, pas sur le bureau. Voilà, par terre. Plein de poils. Alors, par contre, je vais bien l'aplatir après. Alors, en attendant que ça sèche, on va choisir les couleurs pour le papillon. Alors, j'ai envie de prendre un... Attendez, je vais ranger celui-là. Il est aux couleurs 2, plus besoin. J'essaie de faire vraiment vert turquoise et bleu turquoise. Par contre, vu que j'ai mis du jaune, je vais éviter de faire du jaune. Là, j'ai quoi en turquoise dans les artisans? J'ai ceux-là qui sont très jolis en turquoise. Les verts turquoise, ils sont là. Et en aubaine. Les verts turquoise, ils sont là.
Ok, bonne course à toi et Micha. Des bisous. Alors c'est bien, là j'ai l'éclair pour celui-là, du coup la partie là. Et pour le turquoise. Tadadadada. Je réfléchis un peu comment le faire. Parce que j'ai pas envie de faire petit truc par petit truc, je vais rajouter plutôt des paillettes. Et le faire par dégradé. Comme là, tout l'aile là, je pense que je ferai vert. L'intérieur, je ferai plus foncé, et les fleurs, je ferai bleu peut-être. Je vais déjà prendre les couleurs. Mais viens. Alors, le 619. Ok. Après 119, je vais prendre le 247. Et du coup, là, je vais prendre le 604. Hop, oh, des tickers. Ok, bon courage à toi. Des bisous, Rafi. Et après, du coup, c'est Holben. Et en turquoise, on va prendre... Alors le 510, vous avez plus vert aussi. Bon, on va voir. Alors, 510. Avec le reflet du soleil, je vois rien. Après, je prendrai là. Hop, dans les Holben. Alors, mes petits Holben. Alors, dans les Holben. 340 et 321. 321 et 340. Hop. Je me dis que ça se rapproche pas trop. Et du coup, pour cela. Non, c'est celle-là du coup. Attends, j'ai tout mélangé là, non? Non, cela c'était bien avec cela du coup. Oh là là. Ah, et du coup, ça c'est avec ici. Ah, alors, je vais prendre 227 et 228.
27 et 28. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça ferait les deux couleurs là dans le papillon. Attendez. Avec le fond comme ça. Comme ça, au moins le papillon il va bien ressortir. Puis je vais faire plein de paillettes. Hop, maintenant. Allez, on peut enlever le washi tape. J'espère qu'il va être beau. Un petit bout partout après ça, c'est chiant. Voilà. Il faudra que j'aplatisse mon colo, hein, parce que. Oh, je vais peut-être nettoyer ça. Nettoyer mon papier. Hop. Est-ce que j'ai un petit mouchoir par ici? Hop. Bon, allez, on va essayer vite fait voir ce que ça donne. Alors, là il y a encore un contour. Je vais essayer de faire quand même plus vert à l'extérieur.
je me bute. J'allais me prendre le micro. Je crois que ce soir je vais quand même jouer un petit peu Harry Potter, ça me manque. Ça fait quelques jours que j'ai pas été.
Alors, si je fais une aile comme ça. À l'intérieur, je vais faire comme celui-là. Mais. Attendez. Je sais pas trop comment faire. Je suis perdue des fois quand il y a trop de... de trucs. Je vais faire une aile et mettre des paillettes, voir ce que ça donne. Je vais pas finir avec vous, il est quelle heure déjà là? Oh, il est 11h15. Ah, j'ai vu une crie en dessous.
Bonjour Doudou. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, tu as abîmé ma feuille. Il y a mon eau. Mais il est fou. Non, mais laisse colorier maman, Doudou, t'es méchant là. Tu m'embêtes quand je travaille, tu m'embêtes quand je colo. C'est bizarre, c'est que tu m'embêtes pas quand je joue en fait. Hop, alors. Ou peut-être dans les fleurs, je vais peut-être mélanger en fait le turquoise et vert turquoise, ça pourrait être joli. Je marque tout ça, sinon j'ai peur de les mélanger. Alors. Faut vraiment que je m'achète des petites post-it parce que là, à force d'arracher mes feuilles. Alors, oups, j'ai mélangé. A 228, 227, A604 et A619. Vous êtes tout calme, travaillez en même temps. Un peu de courage à vous. Oui, j'ai une dictée. Ça va, une pas trop longue? Au contraire, une super longue. Oh. C'est une moyenne, on va dire. Courage, courage. Ah, on va essayer de mélanger quoi et quoi. Une doudou. On va essayer le 127. Avec 340. Des humeurs pour qu'on voit.
Ça le fait. Non, tes griffes, doudou. Non, pas sur le colo, tes griffes. Non, mais sois gentil, doudou. Je veux pas tes griffes. C'est trop chiant sur le colo, ça fait des traits. Méchant doudou, vous. Sois gentil. Non, sois gentil. Doudou, non. Je suis pas ton père. Tu peux manger ton père si tu veux, mais tu manges pas moi. Ça fait mal. C'est à cause de mon homme, hein. Il s'amuse à jouer avec à la main. Du coup, il mord. Moi, j'aime pas quand il fait ça. Ça fait mal. Ton père comme si c'était notre bébé quoi. Bah oui, papa maman, bah oui. Ah mais là il est pas gentil mon bébé là. Après il va avoir peur parce que je vais faire mon sport. Et il a peur du bruit du tapis. Du coup il est parti bouder dans le lit. Ça fait trop joli. Attendez, je vais chercher mes paillettes, j'ai envie de tester ça. Quelle heure? Bon, comme ça, je pourrais faire mon sport plus tôt.
Alors, je vais prendre quoi comme petite paillette? J'aime bien celui-là avec plusieurs couleurs dedans. C'est trop con ce soir. Regardez les jaunes. Oui. On va prendre du jaune. Et turquoise et donne-toi. J'ai peur qu'il fasse trop, qu'il fait trop foncé. Je pars plutôt sur du pastel au lieu des paillettes.
Recoucou Misha, était les courses. Voilà. Ici, l'aile, elle est terminée. Du coup, je vais faire un style comme ça. Ça fait joli, j'aime bien. Ça ressort bien. Tout beau, le papillon. Bon. Ah, j'ai la gorge prise. Bon. Hein? Je fais des cacouilles. Moi je vais vous laisser là, mes chouk-chouk. Mes cheveux ressemblent à rien du tout. Je vais aller faire mon sport, manger, puis... Aller travailler. Je vais faire des tests aujourd'hui pour m'inspirer. De toute façon, on se revoit demain du coup pour... Je vais dormir. Je dors pourtant. Je dors. Je suis un gros bébé. Mais je sais pas, je suis naze en ce moment. J'étais me coucher de bonne heure, j'étais me coucher vers minuit et demi. Je me suis réveillée à 8h. Je mets tout mon brin ici. J'ai plus ce qu'il me restait à faire sur ce colo pour demain. Faut aller dodo plus tôt. Bon ouais, mais... C'est nul. Ah oui, du coup on avait fini toute cette partie-là. Et demain, on termine celle-là. Ça, demain, on va le terminer, ça. Oui. Venant d'Ondine. Et voilà. Nelly, coucou. Elle se couche bonheur, Ondinette. Mais écoute, ça va. Je suis fière de mes choix de couleurs. C'est mon petit livre que je lis en ce moment. Bon, il est très simple, mais il est mignon. Oui, c'est Micha. Ça c'est tous les trousses. Ah, j'ai plus de place. Je vais arranger. Bon, je vais mettre là encore.
Voilà. On trouve toujours des places quelque part. Ouais, pourquoi moi ? Je tousse moins, mais je tousse toujours. Ouais, bah ouais. C'est chiant ça d'être malade. En plus, ça dure longtemps les bronchites. Bah, moi, pour ma part, je sais que ça peut durer une semaine, deux semaines. Mais bon, après, je fais des bronchites asthmatiformes, ça doit pas être pareil, mais bon, bronchite aiguë, c'est pas joli non plus. Mais je n'ai fait qu'une minute de ma dictée. Tout va bien. Ah, sol. Hop, du coup, ça a rangé. Ça aussi, Tine. Merci. Arranger. Que 4 heures, mais comment tu fais pour dormir si peu? Puis ouais, en plus quand t'es malade, t'es encore plus fatigué. Ben, si tu dors pas assez, ton corps il réclame du dodo. Travail dur. Ah bah ouais, on peut pas tout faire. Mais il y a une secrétaire pour ça. Voilà. La secrétaire est pas bien. Bah ouais, il fallait éviter les bisous et tout se tousser dessus quoi. Tout mélanger. Sauver Ondine. Mais non, et puis une femme, c'est toujours forte, même quand c'est malade.
Mais tu pouvais pas rester où t'étais, je vois rien là. Je croyais que tu partais du fil, ouais, je sais. Mais c'est parce que j'avais envie de finir sa tête pour voir ce que ça donnait avec les antennes. Des, comment tu vas? Bah ouais, après c'est bien quand t'es indépendante comme ça. Là je commence à avoir faim, mais ça va. J'ai déjà fait mon sport avant. Cause de doudou. J'ai l'arrêté, je finis juste mes antennes. Je crois que je vais manger quand même un mouchi avant de faire mon sport. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es chiant là. Il sait pas où aller. Allez, bouge tes fesses. Je vais l'aplatir parce qu'il a pris un coup là, quand même avec le néocolor. Merci beaucoup. Bah ouais, je fais mon défi. Et le défi de ce mois, du coup, c'est le turquoise. On prend la pierre précieuse de mois de mars, c'est la aigue marine. Du coup, il faut des couleurs turquoise. Oui, j'ai bien appris. J'ai encore appris plein de nouveaux trucs. Je sais mettre des objets dans un jeu. Je sais faire les textures. Faut juste que je m'entraîne. Et là, je suis en train de faire des assets pour un jeu. Bah, pour un prochain jeu, tu vois, pour que je m'entraîne. J'ai pas encore créé de personnage. Mais j'arrive à faire pas mal de trucs. J'ai su faire un camion et tout, alors c'est, je commence à faire des objets un peu plus compliqués, du coup. Après, je pourrais passer au personnage. J'ai aussi fait des meubles, des objets, des meubles et tout pour le jeu qui va sortir cette année, de mon frère et mon père. Mais bon. On va dire que un peu de moi aussi. Parce que du coup j'ai fait les arbres. Et là, j'ai créé plusieurs objets. Et on va dire que j'ai participé au projet aussi.
Bah, c'est sûr. Bah, plus peut-être mon père et mon frère, parce que bah, ils ont quand même mis plus de sueur, on va dire, que moi. Et je serais plus contente, moi, dès que je vais vraiment créer de A à Z le jeu, quoi, tu vois. Mais allez, là j'arrête vraiment parce que sinon. Mais j'aime bien le rendu non pas payant. En plus avec l'or. Je sais pas si. Oh. On va voir. Bon, on voit pas très bien. Mais les paillettes, mais. C'est tout sombre aujourd'hui. Non, non, ouais, je veux pas coder, mais... Non, non, coder, non, merci. Mais je veux dire que... Parce que toi, dans tout le jeu, j'ai juste fait les arbres et des objets. Et testé. C'est pas moi qui a fait la map, c'est pas moi qui a fait les crafts, tout, tous les trucs comme ça. J'ai... Ouais, en fait, j'ai vraiment fait un petit bout comme ça sur tout ça, tu vois. Mais dans le prochain, ouais, je pourrais... C'est pour ça que je commence à faire plusieurs assets, voir à peu près mon style de mise en couleur et tout, pour voir ce que ça peut donner. Oui, bah oui, normal, je peux pas... Mais bon, je m'en sors plutôt bien, du coup je suis contente. Et toi, ça avance ? Hop, je vais l'aplatir parce qu'il y a bien douillé. Hop, il faut qu'il reste plat par contre. Ouais, franchement, j'ai vraiment progressé très vite. Après, je me suis mis à fond dedans aussi parce que j'ai besoin de tout sous, quoi. Et après, je passe à une autre phase. Ah! T'es arrivé à la combien là du coup? T'es la plus importante. Ah bah. Tant mieux. Oh, ça va être mieux du coup, tu vas... C'est vrai que c'est chiant, hein, dans une formation, faire des petits trucs que t'aimes pas trop. Allez, tu peux le faire. Dis-toi que c'est la dernière, après tu fais quelque chose de plus... on va dire de plus intéressant. Ouais, c'est sûr, ouais, après, ouais, ça fait apprendre, c'est sûr. Bah. Bah si c'est plus important, peut-être que ouais, ça sera plus intéressant. Je vais croiser deux pour toi. Bah. En tout cas, mes chouk-chouk. Et c'est comme ça que t'apprends, tout à fait. Et que tu progresses et que... T'as ton style ou tous les trucs comme ça, tu vois. J'aimerais faire une formation Blender. Ah bah ouais, carrément. En plus, ouais, j'en ai vu une sur Domestika. Elle est vraiment pas mal. Il faudrait que je teste un de ces quatre. Merci à toi aussi, Micha. Passez tous une bonne journée. Bah ouais, il faut. De toute façon, il faut faire que ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît, plaît. Moi de même. Papotétine.
À plus, oui, à plus. Bah, je reviens demain matin, du coup, pour finir le colo de Imagimorphia. Et je vous souhaite une bonne après-midi, plein de courage. Je vous fais plein de bisous, plein de petits cœurs à vous. Des petits cœurs. Et du coup, demain, même heure. Attends, j'ai perdu ma souris. Elle est où? Elle est là. Des bisous, mes chouk-chouk. À demain. Je vous kiffe. Bisous.